La tondeuse de Franck fait des siennes. Quelques années de tonte au compteur, mais bien pratique quand même. En fait, au bout d'un certain temps, elle chauffe et elle cale et elle redémarre pas. Vincent, un des bénévoles du Repair Café de Benet, va se creuser la tête et trouver une bidouille pour que la tondeuse rende encore des services à son propriétaire. Et essayer de réparer à moindre coût à chaque fois tout ce qu'on peut, tout ce qui est réparable. Quand on va chez un commerçant, il va prendre, il va faire, on ne sait pas ce qu'il a fait. Que là au moins on échange sur le sujet et puis on voit tout de suite, on voit quoi. Tous les derniers samedis du mois, au centre socio-culturel de Benet, on démonte, on trifouille, on bidouille et on répare de tout, de la voiture au jouet en passant par la lampe. Qu'est-ce qu'il faut faire, ça vous permet de venir ici? Ça justement, essayer de réparer des choses qui ne fonctionnent plus. Et de leur donner une nouvelle vie. Les bénévoles réparent en moyenne une douzaine d'objets en une matinée, l'objectif étant d'éviter de jeter et de transmettre gracieusement ces savoir-faire aux autres. C'est un moment agréable en fait, qui n'est pas contraignant comme de prendre rendez-vous chez un réparateur. Finalement on est entre amis. En 2-3 tours de tournevis, Stéphane, lui, vient de comprendre pourquoi le grille-pain de l'Enaïque ne fonctionnait plus. Je pense qu'il y avait la souris, devait faire des faux contacts. Cela, il chauffe bien, il est rouge. Un ourlet ou une couture dans une poche, côté fripe, Sergine a une devise. Avec un bout de tissu, il y a toujours une solution. Je viens donner un petit peu de mon savoir-faire, de régler des machines, de faire un peu de couture pour les uns les autres. Moi, c'est ma passion, la couture, donc on aide. Une fois la réparation accomplie, tout le monde se retrouve autour d'un bon café pour poursuivre ce moment de convivialité. On trouve autour